glacier de la Pilate. D'accord, on était de l'autre côté pour les Baux Rouges. Vous voyez le... Les Baux Rouges et de l'autre côté. Les Baux Rouges, on le voit, le sommet. C'est le sommet qui est le plus à gauche. Regarde s'il y a les vents qui arrivent. Là. Ah, ça a probablement du lièvre variable ici, mais ça peut être aussi du lièvre commun. On devrait pouvoir en trouver, je pense que là-haut c'en est. On peut passer soit à droite, mais ça fait descendre un peu plus de la bosse. Le but est d'aller prendre le vallon qui est derrière la bosse, que l'on ne voit pas bien mais qu'on devine. Et on peut passer à gauche de la bosse, ça revient à cross quand même. Okay. On va passer à gauche. Donc un guide d'haute montagne, c'est quelqu'un qui est obligé de se maintenir en forme physique, qui doit faire fi de ses quelques séquelles d'accident lorsqu'il peut en faire fi, ce qui n'est pas évident physiquement. Rares sont ceux qui continuent au-delà d'un certain âge. Mais c'est un métier tellement passionnant que beaucoup de guides arrivent à surmonter toutes ces contraintes. Mais les conditions de neige sont bonnes là. Ouais, en bavant, les gars, ils avaient l'air d'avoir du mal à descendre. Ouais, il y a de tout quoi. Il y a des moments où il y a de la neige, et après d'autres. C'est un métier qui peut être dangereux, qui est classé dans les métiers dangereux, qui nécessite pour obtenir le diplôme beaucoup de préparation et de pratique. Mais tout ça, ça fait partie de ce que le guide apprend à maîtriser et à faire partager. On doit être à 2550. Ouais. Là, c'est la cata. On va être à 2005 là. Direction du vent. Il vient derrière. Le fait de vivre en montagne, ça permet de voir que les gens qui ont essayé de tricher ne peuvent plus tricher en alpinisme. On peut tricher sur la marche d'approche, puis après, ça ne triche plus. Donc ça permet de voir ce que les gens sont réellement, ce que les gens connaissent réellement. Là où il est, ça craint. Ça craint parce que le vent a accumulé la neige sous la crête, de notre côté, en formant ce qu'on appelle une plaque à vent, c'est-à-dire le vent qui dépose de la neige. Et cette neige, elle sera très instable sur quelques mètres, là. Tout à l'heure, vous voyez le fond du vallon ? Oui. Et là, plus rien. Et là, regarde, ça fait jour vraiment. En une minute. Et on confond tout. Il faut faire gaffe à ne pas se faire ensevelir par l'avalanche. Le milieu extérieur est très contraignant. L'altitude, le vent, le froid, la proximité des glaciers, les pentes. Et le refuge, c'est donc une sécurité. La première mission d'un refuge, c'est d'accueillir les gens qui pourraient être en perdition. C'est-à-dire, dans un refuge, les gens qui arrivent en perdition, ce sont les mieux soignés. Ce qui est logique.
bas là. Hein? Il est plus bas que tout à l'heure. Mais tu vois, je comprends pas pourquoi tout à l'heure il arrivait par là-bas. Et même les gardiens qui ont 30 ans de. C'est toujours le stress. Dans certains cas, des fois, quand ça se passe mal, ils larguent la charge. Hein. Donc là, tu perds tout. Hein. Les premières choses à faire en arrivant, ce serait mettre de l'électricité pour mettre le congélateur en route, vérifier que ça marche, le frigo, et après les moyens de communication, voir si le téléphone fonctionne et la radio pour être sûr d'avoir un lien, parce que le réseau le téléphone marche pas ici, le portable marche pas. Donc si on veut pouvoir communiquer, bah, c'est comme une priorité. Puis après, bah, on prend le temps, on range, on s'organise et on essaie de faire au mieux, quoi, sans trop se fatiguer dès le début. C'est important. Pour mettre le refuge en place, il va me falloir 4 jours. 4 jours vraiment pour ranger. Après, on fignole au fur et à mesure quand les gens arrivent, mais au bout de 4 jours, on est quand même vraiment bien calé. Ouais. Sur les écrins, on a deux protocoles sur le lagopède alpin. On en a un qui consiste à faire des prélèvements de crottes pour avoir une idée du taux d'infestation des parasites dans les crottes. Et le deuxième protocole qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être d'essayer, c'est peut-être un poil tôt, mais de trouver des plumes. Et là, il y a un objectif de caractérisation de la population, enfin des populations de lagopèdes alpins, d'un point de vue génétique. Quand on se retrouve en montagne l'hiver et qu'on a des missions particulières à effectuer, eh ben, faut prendre en compte vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y a le froid, il y a le vent, il y a la neige qui peut s'immiscer vraiment de partout. Mais c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas négliger l'équipement, qui est vraiment quelque chose de primordial. Hein. Faut être vraiment en forme aussi physiquement pour pouvoir se déplacer quand il y a 10, 20, 40, 50, 1 mètre de neige. On voit les traces là, qui sont plus très très évidentes, mais c'est exactement la longueur d'un pas de lago. Et on est vraiment dans le milieu du lagopède, le milieu où il se nourrit, voilà. En montagne, l'hiver, c'est la période critique, c'est une période très difficile où toutes les espèces sont en mode survie, en mode économie d'énergie. Et pour survivre à l'hiver, elles ont adapté différentes stratégies pour pouvoir arriver jusqu'au printemps. Et dans ces stratégies-là, il faut dépenser le moins d'énergie possible. Et voilà, donc là, mission complètement accomplie là. Là, c'est parfait. On voit très bien que c'est une plume de lagopède parce que le lagopède, comme son cousin le tétralyre, ce sont des galliformes et presque toutes leurs plumes, sauf les plumes de vol, sont composées de deux plumes. Voilà, la plume principale et une mini plume à coller. Voilà, une plume de lagopède. Aujourd'hui, 50% de la mission accomplie. Voilà. La neige est assez dure là. Donc le lagopède quand il se déplace et surtout quand il fait ses crottes. Il y en a une qui arrive en direct là, regarde. Hop, 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 hop. Est-ce que c'est une crotte ou c'est plutôt autre chose? Non, c'est un bourgeon. Ouais, ça c'est un bourgeon, c'est une fleur fanée de je ne sais quoi, qui est tombée par le vent.
Mais voilà, les crottes roulent, elles glissent sur la pente et elles s'arrêtent là où c'est à peu près plat. Donc effectivement, on en a un morceau là, et puis on a plusieurs autres petits morceaux ailleurs. Et on devine, comme la crotte de lièvre variable, quand on la triture un petit peu, on voit là, très bien là. Il y a un morceau, voilà, c'est un peu ligneux, et tout ce qu'il mange, c'est assez sec, et il y a pas mal de bois, et ça il arrive à le digérer parce que justement c'est un animal qui est adapté à la haute montagne, à ce type de nourriture, comme le lièvre variable, le tétralyre, et le tétralyre, le lagopède, est capable de digérer la lignine, le bois quoi. Ce qui lui permet de passer l'hiver. Il se trame quelque chose là-haut, hein. Il y a quelqu'un qui bosse là-haut. Là c'est bon, tu peux enlever les peaux. Tiens, il y en a un là, regarde-le. La femelle est à 15 mètres au bout de mon doigt. Là je te disais qu'ils étaient au-dessus. Ils sont deux. Regarde, c'est les deux, t'as le mâle et la femelle. Et la femelle a légèrement commencé à... Ah ben on regarde, hein, elle monte, voilà, c'est un animal qui piète. On a chaussé les peaux de phoque, on va monter au col de la Girose qui est là-bas. Et la partie que l'on voit avant le bombé dans l'ombre et qui sort au soleil, on devine les traces de ceux qui étaient des jours précédents. Il faudra vraisemblablement enlever les skis pour mettre les crampons d'alpinisme. Alors, travailler en haute montagne, c'est échapper à la vie citadine, échapper à la vie de la vallée. Il m'arrive de passer plusieurs semaines sans redescendre en ville, en redescendant au village, évidemment. Mais il m'arrive, certains étés, de passer plus de 2 mois sans voir un seul feu rouge. Et c'est vraiment, quand je redescends ensuite à la civilisation et que je vois des feux rouges, mais je trouve ça aberrant. À quoi ? Pourquoi ? Donc, pour mettre les crampons, mettez d'abord le matériel en sécurité. Ensuite, les crampons sont en principe pré-réglés. Ouais, on les a réglés hier soir. Et moi, je m'arrête là. Je descends. Voilà, très bien. Ah, c'était bon. En discutant avec tous les guides, on s'aperçoit que pour certains, il y a eu 4, 5, 6, 10 métiers différents. C'est le métier de guide qu'ils ont préféré. Pourquoi ? Les réponses là aussi peuvent être diverses, mais c'est un métier qui est très contraignant, mais très passionnant. Il y a une relation privilégiée avec les gens que l'on emmène en montagne. Une relation de cordée qui devient vraiment très, très proche et qui fait partie du gros intérêt de cette profession. Allez, à table. À table, oui. Choisissez-vous un tabouret, sortez le casse-croûte, la boisson,
Oh là là, c'est beau là. De là, vous allez voir le plus haut sommet, la barre des Écrins, et ce qui a été, celui qui a été le plus haut sommet du monde pendant quelques années. La carte IGN des années 68 à 72. Si un jour vous la trouvez, les collectionneurs achètent ça entre 300 et 3000 euros. D'accord. Une carte qui vaut 12 euros. Et au lieu d'avoir écrit 3700... Ils 3000, avaient inversé, ça a été 3574, ouais. Ils avaient écrit 9574. Ah oui, alors donc là. Le Peak Coolidge a été le plus haut sommet du monde officiellement d'après les cartes IGN. Et moi, ça correspondait à la période où j'ai débuté le métier d'aspirant guide et de guide. On allait au Coolidge trois fois par semaine. Tout le monde voulait faire le Peak Coolidge, le plus haut sommet du monde. C'est incroyable. Et en 74, l'IGN a corrigé et il n'y a plus personne au sommet du Peak Coolidge. Le métier de guide, c'est de faire vivre aux gens des journées qu'ils ne vivraient pas s'ils étaient sans le guide et qu'ils n'auraient jamais l'occasion de vivre. Les clients nous racontent qu'ils vivent avec leur guide les meilleures journées de leur vie. Et puis la pointe de la Pilate, les bancs, le Sirac tout au fond qui ressemble au râteau, tout au fond, au fond, au fond. Ouais. Il y a un passage qui est vraiment typique et qui s'appelle le Serret du Savon. Donc c'est un couloir et quand il n'est pas en neige ou en glace, et ben on n'arrive pas à passer. L'été, on peut pas y passer, c'est que l'hiver. Et là, vu que la neige n'était pas comme il faut pour remplir ce couloir, c'était pas praticable. Donc la liaison avec le refuge voisin n'a pas été possible. Ce refuge n'a même pas ouvert du coup l'hiver parce que en fait, tous les gens qui dorment chez à l'Aigle viennent de chez moi. Alors que de chez moi, on peut aller un petit peu ailleurs. Ok, ils étaient combien déjà? 3? Ouais, ils étaient 3 et 5 demain, ils voulaient aller au Serret du Savon. Ok, d'accord. Et les 7 qui sont plus que 5, ils sont déjà partis de chez toi là? Je vois qu'ils montent. Ouais, ils ont arrêté pour me dire qu'il y en manquait 2 et ils sont en train de monter, je crois. T'en as d'autres qui arrivent à d'être? Bah, normalement, ouais, un groupe de 4, je crois, ou de 3, de 3 peut-être. C'est possible de nous faire un tas de pâtes ou pas? Yes. Pour vous 5? Attends, on n'est pas 5, hein? 8, hein? Pardon. Non, parce que déjà j'avais envie de rajouter Charlotte à Charles hier. Ah oui, d'accord. On est 8. 8, hein? Pour 8? Oui, on est 8. That would be a sick jump, right? Sorry? Yes, I think c'est super, mais... On a trouvé le refuge d'Aigle, qui en gros, elle est partie, et nous, on est partis devant, on l'a pas vu, mais elle a suivi les gens. Génial. Et elle a l'air de blanc. Non, en fait, elle s'est retrouvée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle s'est retrouvée en vieux VLS, à travers le pelletier de cette course. Je suis pas trop chocolat chaud, je crois. Ça sent super bon, je pense que c'est le gâteau. C'est le gâteau que tu vas mais sentir. Mais depuis dehors, on le sent, mais si fort. Vas-y, en allant aux toilettes, j'ai la rose. Peut-être un palier, tout simplement, je vais prendre. Tu veux quoi, Scott? Moi, je prends un palier. Allez. Couler, là. Super, merci. Bien, ça. Mmh. C'est pas facile à skier. Faut être bon skier. Ok. Non, bah, je pense qu'on va faire le truc plus. Bah oui, c'est plus long, mais c'est plus lent. Ok. Pas tout le monde passe par là. Ok, on va faire ça alors. Lui, par exemple, il fait pas la foule, il est foutu. Enfin, lui, plutôt lui, il est foutu. Merci, je sais pas. Ouais.
final, La rimée est ouverte, je pense que c'est au-dessus. La rimée, elle est fermée. Par contre, là, il y a des très grosses crevasses. On va aller couler à descendre, on va pas monter à la brèche. Et vous voulez déjeuner à quelle heure? Entre 5 et 6 heures. Ouais, c'est quand même déjà. J'ai 5h30. Ouais, parfait. C'est bon signe. À demain. Et bonne nuit, les amis. Allez, une bonne saison. Et un des premiers signes que l'hiver se termine, c'est l'apparition des premiers tucilages, ces petites fleurs jaunes là. Très rapidement avec les tucilages, on a aussi les bulbocodes qui arrivent. C'est un truc, une petite plante rose là, qui ressemble beaucoup au crocus. Ouais, c'est les premiers signes que le printemps arrive quoi, d'ici peu. Donc la mission aujourd'hui, c'est d'aller répertorier le nombre de bouquetins sur le territoire qui m'a été confié, voilà, donc le territoire de Plan-Chevalier, là, tous vallons. Mais chaque année, on compte exactement les mêmes territoires, c'est-à-dire que chaque année, c'est toujours la même surface que l'on recense. Donc on a une idée de l'évolution, voilà, de la population sur ce massif-là. Moi, il faut que je sois, voilà, dehors dans la nature pour voir comment, voilà, comment la vie se déroule sans nous quoi. Enfin, alors que c'est dans notre environnement proche. Les moments d'émerveillement sont permanents parce que selon la saison, selon le moment de la journée, selon la météo, on va pouvoir se retrouver pour la millième fois au même endroit et ce sera différent des 999 autres parce que voilà, il y aura un petit truc qui aura bougé et tout simplement, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, je reste émerveillé tout le temps. Chaque fois que je fais un petit travelling, là, il y en a toujours. Il y en a toujours, 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 toujours. C'est un truc de dingue. Deux mâles, deux femelles, et là j'ai... Donc là, il y a un rose à droite, et là ils sont pas mal. Il y a un autre gère à droite. Ah, c'est Jean-Pierre. Ou Serge. Là, ça fait 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 45, là. Plus 41. Oh. Ça fait 86. Quand on a un métier, qu'on effectue un travail, je pense qu'on aura d'autant plus de facilité à le faire bien et correctement qu'on arrive à se faire plaisir en le faisant, quoi.
la première quinzaine d'avril, c'est la fête des sons. Le matin, tous les oiseaux qui chantent, on sent vraiment là que là, c'est le printemps. Alors qu'avant, c'était la fin de l'hiver. Là, quand les oiseaux se remettent à chanter, les premières marmottes qui sifflent, ça y est, c'est le printemps. Thank you.